Et on redémarre. Resalut! Je prends quelques secondes entre mon ciao et mon bonjour. D'accord, prends. Moi je prends pas parce que Bonjour. de toute façon, bah, je coupe, je remets, et puis c'est bon quoi. Enfin du moins j'espère, c'est le but. On manque de poissons, mais t'es sérieux machin? Ah bah attends, hein, j'ai rajouté du pêcheur moi. Et ils sont toujours pépés, ceux que j'ai mis au début, 100%. Ouais, on va en mettre au bord de l'eau, mais je vais attendre d'avoir un peu de... D'ailleurs, ce serait bien d'en rajouter un là. Alors, Un j'ai essayé de mettre... pêchouilleur. On aura deux chantiers navals qui sont prêts à démarrer. Bénissez-moi, car le péché. C'était une truite. Dans la carte. Merde, je fais plus, mais ça sert à rien. Dans ce jeu-là, c'est pas plus, Ça, je regrette. c'est page précédente. Ok, alors. Voilà. Oh, allez, on a une forteresse qui est prête. Est-ce qu'on aura enfin un Est-ce que ça passe en x10? machin? Oui, c'est fluide. Oui. Ah non, x10. non, arrêtez pas en fait. Voilà, en x10 réel, Là, ça on est en passe pas. x10. Ouais, vive le Non, mais là, x10. c'est Oh, pas grave, chez moi, avoir. ça rame à mort aussi chez moi, du coup, parce qu'il il arrive pas à suivre. Il s'accro. Bah, c'est normal en même temps, hein, je vais pas dire, mais il reçoit pas. Il n'a pas plus de temps que ça. Willkommen, Zuschauer. Salut! Hello! Hola! Qu'est-ce Non, moi, je crois buongiorno! que je Etc. sais dire dans le plus de langues, c'est bonne nuit, je crois. Bonne nuit? Ouais. Donc, est-ce que tu sais le dire en portugais? C'est pas buonasera? Non, c'est buenoi. D'accord, autant pour moi. Est-ce que Voilà, je tu ne sais sais le pas parler dire en portugais. grec? Non, en grec je connais Kalimera, mais ça s'arrête là. Ouais, bah, ils ont plusieurs façons de dire bonjour en plus. Ils ont Kalimera, ils ont Kalispera, ils en ont un autre, je crois. Ça dépend le moment de la journée, je crois. Et pour la nuit, c'est pareil, c'est Kalinikta. Kalinikta. Finalement, ça, c'est logique. Et t'as des. Comment? En Allemagne, je pense que ceux qui ne vivent pas en Allemagne, tu leur dis des fois, tu leur dis Guten Tag, pour eux ça va, mais tu leur dis Gut. Non. Hein? Comment dire? Putain, oh là là, un truc que je connaissais par cœur. Comment tu dis bonne nuit? Guten Nacht. Nacht, voilà, Nacht. Guten Abend, Justement, tu sinon. peux dire Gut Nacht, tu peux dire Guten Nacht, parce que ça dépend. La région en Allemagne, en fait, ils disent pas pareil. Ouais. Là, 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 là. En tout cas, c'est très la prospérité économique, hein, je veux pas dire, mais... Ça va, on se débrouille. C'est très. Bon, Terrain, j'espère trouver ouvrier, de l'or, hein, de la bâtiment. forteresse soutenable. Oh, marchandises, on est en train d'exploser. Productivité, oh, on n'est pas terrible, hein. L'ordi fait mieux que nous. Par contre, niveau militaire, on les explose tous. Ce que je voulais regarder, justement. Et puis, Ah, comme on le a noir a perdu des plein de bâtiments. mines d'or, on... Ils se font la guerre, alors. Ah, c'est Ils fort se font la probable. guerre parce qu'il y a le noir qui apparaît dans les stats de bâtiments militaires Alors attends, le noir c'est la perdus dans Super Grèce. Bee. Et puis l'autre à côté c'est... Avec qui fait la guerre? Attends, je regarde. Productivité. Non, mais pas la meilleure, hein. Productivité, je sais pas ce que tu racontes. Hein. Non, il n'y a pas de guerre encore, hein. Si je regarde perte, victime, Marchandise, bâtiment militaire d'accord. perdu, ce genre de truc, il n'y a pas encore de guerre. Oui, j'ai chez moi, j'ai un tableau de correspondance pour les pays et les... Enfin, les zones d'origine, on va dire. Et les couleurs. Donc là, on a le rouge et le bleu qui correspondent à l'Allemagne et à la France. Ah, parfait. Premier port dans C. Greek. Timba! Laisse tes spectateurs futurs rire à tes blagues. Hein? Je laisse tes spectateurs futurs rire à tes blagues. N'est-ce pas? Ah, bah ils sont tous partis d'ailleurs, t'as vu? On n'est plus Je, que oui, je ne m'en chargerai pas. deux. Oh, moi-même. Ils Bon, sont. ils arrivent ces soldats, oui, oh merde. Merde. Toi, tu dis qu'on a du stock.
du stock de soldats. Oui, attends, je regarde ça pour toi. On a 34 haches, voilà, et 2 soldats en stock. Ah, mais c'était juste qu'en fait, je sais pas, ça cherche les bonhommes chez toi, et puis moi, ça cherche les bonhommes chez moi pour les demander chez toi. Ça cherche aux endroits les plus... où c'est disponible, en fait. Voilà, enfin, deuxième chantier naval, comme ça on est sûr qu'on est tranquille. Ah, et puis le truc cool, c'est que maintenant, on a le camp d'entraînement qui va être prêt. Donc, on va commencer à... Moi, j'en ai deux, parce qu'il a jamais été fini à quoi. Parce que toi, t'en as pas... Tu l'as pas posé chez toi ? Il est prêt dans quelques secondes. Pourquoi t'as mis en vitesse 0,5 ? Parce que je monte et je descends, suivant comment ça... Et en fait, j'accélère pour que les bonhommes ils arrivent, et puis une fois que je les vois arriver, je ralentis. D'accord. Sans regarder la vitesse. Ouais. Voilà, et on va pouvoir partir à la conquête toi, de l'Angleterre. T'as posé un camp d'entraînement ou tu parlais de celui que j'ai mis il y a longtemps ? Non, mais pas celui que j'ai mis moi, je sais qu'il est prêt dans maintenant. Et le tien, il sera prêt dans une unité d'or, non 80%. Deux. Il te manque deux d'or, donc ça sera vite fait aussi. Mais t'as une arène aussi ? Oui, oui. Mais c'est bien, comme ça on va vraiment monter nos soldats maintenant. Parce que le pire qu'on pourrait avoir, c'est deux voire trois guerres sur des frontières différentes. Ouais, j'ai trouvé des mines de granit. Ouais. En masse. Ouais. Et là, le port se construit bien, c'est cool, il manque plus qu'un d'or. C'est vite fait, ça. Bon, bah écoute, on va faire de la forteresse partout, en masse. Qui veut gagner de l'argent en masse? Mais vite, que j'ai un piège. Hop, on va démanteler ça. Non, 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 pas détruire, démanteler. Ouais, alors tu cool, c'est qu'on a accès à l'Angleterre par la terre. Avant, je n'existais pas. Ah non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de spot dessus. Quoi. En fait, ils ont pas laissé un bras de mer entre deux. Ce qui est pas plus mal, parce que ouais, comme ça, la Manche n'existe pas en fait. Hein? Oui, la Manche c'est juste... n'existe pas. C'est juste que la Manche est un peu plus longue, donc du coup, elle bloque. Ouais, enfin, on se comprend, quoi. Non, la Manche, c'est le morceau d'eau, hein. C'est pas le mot de terre. Ouais, d'accord. Alors, la Manche a été raccourcie. Ils ont fait ça d'une manière bien, tu sais, ils étaient bien conscients que c'était pas réaliste. Ils ont mis ça dans une texture différente. Genre, c'est le niveau de la mer qui a baissé, en fait. Ouais, ça doit être ça. Alors, chantier naval. Mais t'as fait un port, déjà ? Ben, regarde bien. Ouvre les yeux avant de poser les réponses. Ça, c'est quelqu'un que je connais qui m'a parlé de l'expression « tu poses et réponses ». Tu poses et réponses, oui. C'est quand tu poses une question à laquelle tu as répondu en la posant, en fait. Mm-hmm. Style « mais t'es sûr que blablabli blablabla ?» Tu sais qu'en 4,5 ça rame. Bah écoute, hein, on passe en 4 si ça rame. C'est pas grave, il y a beaucoup de choses à faire en même temps, on n'est pas non plus en train de se tourner les pouces. Hein. Bah du coup, si je vous tourne les pouces, du coup je suis en train de lancer plusieurs forteresses en même temps pour grandir, pas seulement vers le bas, mais élargir le terrain aussi pour contrôler le plus possible, quoi. Ouais. Bon après, maintenant je pense qu'on va bientôt rentrer en contact avec quelqu'un, c'est pas possible autrement. Alors, le port il est prêt, je lance une expédition. Ça... Moi maintenant c'est bon, le jeu il est fini pour moi là. Comment ça il est fini? Bah maintenant qu'on a une production de tout, que ça marche, bah on s'agrandit jusqu'à trouver l'ennemi, on lui pète la gueule, ça se résume à ça quoi. Ouais, sauf qu'on a tout intérêt à... je te promets qu'on a tout intérêt à pas se reposer sur les lauriers puis à produire plus. Ouais bah je cherche de l'or, j'en trouve pas, je fais ce que je veux. Non mais... Si tu veux j'ai du granit en masse. Écoute, niveau or ça va maintenant en fait. Ouais mais le seul truc d'or c'est là où t'as trouvé toi. Bah c'est déjà pas mal hein, Il y a quoi, 6, 7, dans une, je vais faire des upgrades sur certaines, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 9 mines d'or. Pourquoi il s'éteint lui ? Attends, il est branché pourtant, c'est quoi ce bordel ? Attends, j'ai mon écran de l'ordinateur portable qui n'a plus d'image d'un seul coup. Ah, c'est peut-être l'économiseur d'écran qui... Bah non, j'en ai pas. Alors le... Et surtout, il s'en va pas, donc... Attends... Bah, le truc qui lâche comme ça, c'est pas un problème. Mais ça t'empêche de jouer, ou bien...
Ah non, non, c'est le PC portable, c'est celui qui me servait à afficher Twitch. D'accord. Bah si jamais je Bon, peux. on va l'arrêter en espérant que ça problème logiciel. On est à deux viewers, donc ça change rien en fait. Enfin... Bonjour les viewers. Oui, il fait soif. J'ai la musique qui s'est arrêtée d'un seul coup. Bon, l'écran marche toujours. Ah! Donc c'était un problème logiciel. L'expédition est lancée. Ouh! On va Ah partir oui, à... c'est vrai, on va aller beaucoup plus vite avec On va pas les aller... expéditions plutôt On va pas d'attendre. aller péter la gueule à l'Espagne maintenant. Je sais qu'il y a Bah plusieurs si toi ports... tu connais la carte, tu sais pile où c'est où sont les spots et tout, Non, donc. pour être franc, je sais pas exactement. Mais cela dit, je vais le garder dans un coin, ce navire. Comme ça, je sais quand il est arrivé. À un spot. Et puis après, on peut déjà préparer une deuxième expédition. Sachant que ça coûte un bras et qu'il faut un moment pour qu'elle se remplisse. Oh mon dieu, Windows XP. Oui, bah ils ont pas sorti de Windows meilleur depuis, hein. Ouais, mais c'est un petit peu vieux. Et alors? Bah, c'est T'aimes pété pas leur les mis à vieux jour non plus. trucs? C'est quoi? Ah, mais ça me fait marrer, ça. Toi, tu fais partie des gens qui pensent que parce que Microsoft a décidé de ne pas faire de nouvelles mises à jour, d'un seul coup, c'était dangereux pour tout le monde. Absolument pas. Non, c'était déjà dangereux pour tout le monde avant. Ouais, enfin bon. Tu utilises Ubuntu? Enfin non, c'est vrai, de moins en moins aussi, toi, tu utilises Ubuntu. Je suis sur Tu utilises Mint. Linux Mint. Parce que Ubuntu, c'est vrai aussi, putain, le nombre de... Dès que tu veux faire une mise à jour, si, pour moi, Ubuntu, les mises à jour sur Ubuntu, c'est aussi horrible que sur Windows. Que sur les Windows récents. Ça peut te flinguer le système entier, quoi. Ouais, bah c'est partout pareil. Bon, alors là, on a un petit spot sympa. Je sais. Je pense que ça. C'est quoi, c'est de Bordeaux par là? D'accord, c'est la bulle de bord. On est du côté de Bordeaux là. Bah c'est cool. J'ai lancé le port comme ça, c'est bon. Ah oui, maintenant, on connaît un peu mieux la France grâce à ton détourage de côte. Absolument. Voilà, comme ça le port est lancé. Puis à partir de là, on a une nouvelle économie qui démarre. Wouh, puis on est D'accord, content. mais en fait, ça sert à rien, ce que tu Si, parce fais. qu'après ça... Après tu peux par exemple faire la guerre là-bas. Bah oui, mais logiquement, d'après ce que tu as dit, il n'y a qu'un seul spot par pays, et donc là, tu fais dans un pays où on est déjà, donc Non, non. c'est pas là qu'on va trouver le plus vite. Non, il y a bien plus qu'un spot par pays. Alors, Alors, petit scarabée. on En a fait, dit alors en même ce temps. qui manque, c'est le fer que... C'est le fer plus que le... Mon dieu, c'est les mines d'or maintenant qui pleurent, qu'elles produisent plus rien. Je suis en train de continuer à chercher de l'or, moi. Je traverse les Pyrénées, non, j'en sais rien, mais comment ça s'appelle en Allemagne là-bas? Ah franchement, je suis pas assez calé pour savoir ce qui se passe en Allemagne. Ah, c'est bien à l'école aussi, soi-disant c'est utile, on t'apprend la géographie, ouais, on t'apprend la géographie de ton pays. Bon, c'était un bon prof de géo, il va t'apprendre plus que ça. Moi, j'en avais un qui avait passé par la case. Ouais, du charbon. Yeah. Il nous faut beaucoup plus de pain si jamais. Ah d'accord, donc nos boulangeries en fait elles ont de l'eau, mais elles produisent pas. Donc il faut plus d'eau. Je vais regarder Ah mais attends, tu n'es pas chez moi, c'est pas possible. les stocks en eau. Ouais, le stock en eau est à zéro. On a bu toute l'eau. Bah c'est parce que j'en envoie chez toi, c'est pas possible, attends. Boulangerie. Eau de et manquant. J'ai des puits tout le tour, quoi. C'est bon, j'en fais quelques-uns de plus. Oui, bon, je rajoute aussi, Tac, voilà. sauf que... Ok, expédition prête. Allez, c'est reparti. Ah bah oui, on les envoie de l'autre côté, tiens. Puis on lance une nouvelle expédition. Ouais. Prépare-toi, petit garçon. Elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. C'était l'instant Cowboy Fringant. Oh! Je dois avoir dans un disque dur perdu quelque part de la musique de Cowboy Fringant. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté du coup. Et donc là, t'as trouvé un spot dans un pays qui nous intéresse pas et où t'es déjà. Oui, ton bateau s'est arrêté, pour information.
Ouais, bah je vais regarder. Coucou le bateau, t'es où? Mais dis pas qu'il va faire un port là-bas. Non, non. Au revoir bateau. Non mais sérieux, il y a deux spots en 3 mètres. Non mais oh! Vas-y, mais roule Ouais, il le va faire tout bateau! le tour de l'Angleterre, comme ça on saura à quoi ça ressemble, on nous apprendra la géographie. Bon, là, ça va finir par devenir intéressant d'avoir un spot un peu plus loin, là. Mais après, effectivement, en Angleterre, il n'y a rien. Il n'y a pas de joueurs. Donc, je pense qu'on peut peut-être plutôt repartir de l'autre côté. Parce que là-haut, il n'y a pas de spot pour faire des ports. Oui, il y en a. Il y en a, bien Bah sûr. non. Mais si tu veux faire tout le tour de Non, l'Angleterre, non, ça. mais... Non, non, là où t'as fait tes trois forteresses, là, il n'y a aucun spot. Tu peux Ah, pas faire de signe sur la carte à Age of Empires, c'est dommage. écoute, je retrouve ça. Non, Parce alors que là. moi j'aimerais bien un endroit où faire un port et envoyer des expéditions à ma manière en fait. C'est-à-dire aller jusqu'à l'ennemi et pas avant. Bah tu peux, hein. Toute façon là, il va rejoindre l'autre endroit. Puis après, il va Ah, il commence à continuer. manquer de soldats là. Alors, on va quand même vider, on va faire démanteler ça. Ah, par contre, siffler quand tu enregistres, Ah c'est pas pardon. ce qu'il y a de mieux. Ouais, je suis désolé, ça Enfin, vient quand tout tu seul des enregistres ou fois. quand tu es avec quelqu'un, Avec toutes mes en excuses. audio. Ou pas en audio même, en LAN aussi, c'est chiant. Ouais. Non, ça sort tout seul. En fait, le truc, c'est qu'on. Pour notre expédition, là, si on est déjà chez l'ennemi, on peut pas construire de port. Et si on construit un port, ils vont tout de suite venir construire des trucs pour le péter. Donc il faut quand même garder un petit peu de marge, hein. Puis là, on est en Espagne, ouais! On est bientôt au Portugal. Voilà, bonjour le Portugal. Manger une petite glace au chocolat. Miam miam. Alors j'ai trouvé une autre rivière et on va faire une forteresse ici. Alors, l'Espagne, pour info, c'est le joueur de quelle couleur? Jaune. Eh oui, on a toujours cru que c'était les Japonais qui étaient jaunes, mais non. T'as pas trouvé de spot en Espagne? Il va arriver. Est-ce eu le temps? Je crois qu'il y a un spot plus au sud. J'espère. Moi je filme pas grand chose d'intéressant donc on peut pas. Si on peut faire suivi de caméra, il me semble. Attends, si je sélectionne ton bateau là, Oui, navire. tu peux appuyer sur Ouais. Ah non, c'est aller au navire, c'est pas. Non, je peux pas suivre. On peut faire des fenêtres séparées normalement sur les bâtiments, je crois, mais Ouais. sur les bateaux. Parce que je voudrais montrer quelque chose d'intéressant aux viewers parce que moi je fais rien donc j'attends que mes trucs se construisent Bah moi je suis le bateau, et que tu les vois. bonhommes arrivent devant. Alors c'est vrai Ouais, qu'il. mais ça me demande une main, il m'en faut deux pour déballer la glace, c'est un cornet. Ah, c'est gênant. Tu peux pas le mettre dans un coin de ton écran, puis après tu le laisses tourner. Ah, il vient de passer Gibraltar. Ah ouais, mais il l'a pas passé justement. Ouais, il est intelligent, machin. Par contre, je suis vachement étonné parce qu'il me semble que normalement. Ah, mais peut-être que je sais. Je vais le faire repartir à l'envers. Puis je vais essayer de le forcer à passer le détroit. Qui est très étroit. Le Sans mauvais jeu de Détroit. mots. Bon, on va regarder là maintenant. Non, il arrive pas. Il arrive pas, ce con. Bon, ok, alors vas-y, continue à rouler. Y a aucun spot en Espagne. Y a aucun C'est spot sur l'Espagne côté Atlantique, c'est bizarre. Je me demande si. donc foutu pour le château en Espagne. Ouais. Non, non. On va venir le faire à la main. Oh là là, Et du coup, y a tu du vois gros le. porc par chez toi, mais en masse quoi. Et puis, il y a une autre expédition qui part. Voilà. Bon, sur ce, on va attendre de voir un peu ce qu'elles nous disent. Mais du coup, tu vois, l'avant-poste là-haut au sud, il est pas si mal. Bon, voilà, pour moi le jeu est pas intéressant en fait. Puisque le plus intéressant c'est de te développer et faire la guerre directement. Voilà, mais là c'est tu te développes, t'attends et après tu fais la guerre. Ben ouais, on va bientôt pouvoir faire la guerre. Wouhou! Oula, oula, on va baisser la vitesse. Hein? C'est T'as bizarre. carrément fait des citadelles chez toi, quoi, le truc qui sert à rien. Mais.
Voilà, il y a deux expéditions qui sont T'es allé à lancées en ton plus. centre-ville, t'as rajeuni l'ennemi. Ah, c'est la fin de l'épisode! Salut tout le monde!